Nous allons suivre le 650 avec les couleurs espagnoles. Allez, nouvelle fois, la péninsule ibérique sur ce tracé. Le cheval s'appelle Moussaillon. C'est un pur sang, ce gris donc, par Cardéjan et la mère Caldoumbénès. C'est bien un cheval qui est né d'ailleurs dans l'Orne. C'est Bruno Camusdanais qui en est le naisseur. Eduardo Via Dufresne qui en est donc le cavalier. L'Espagne donc sur ce parcours, le 650, alors que Diego de Bouzy qui court, lui, son championnat. L'anglo-arabe avec sa cavalière sont en train donc, avec Ludivine, de dérouler les derniers mètres avec ce contrebas l'éperon. Voilà, pour se rééquilibrer après avoir un petit peu trébuché justement à la réception de ce contrebas, sans aucun incident sur sa fin de parcours, à quelques secondes de l'arrivée. Allez, franchir le dernier obstacle. Et ça serait bien là aussi d'entendre vos applaudissements retentir pour Ludivine, qui le mérite amplement, hein. Voilà, une belle histoire. Depuis la génération des 4 ans, elle est venue justement courir le cross, et une nouvelle fois, avec juste un petit peu de temps dépassé, 1,60 pour le dépassement de temps 6,01. 6 minutes et 1 seconde. Moussaillon, Eduardo Via Dufresne sur le parcours, avec le passage maintenant du tronc, du contrebas et tronc, la combinaison l'éperon. Des nouvelles de ce Moussaillon que vous avez donc, le cheval gris d'Eduardo Via Dufresne. Et pour l'instant, rien à signaler. Tout va plutôt pour le mieux avec le sixième obstacle, l'Auxerre, Kevin Bacon, qui a été bien franchi. On va les retrouver une nouvelle fois dans le passage du gué l'éperon, avec cette fois-ci un contrebas. Des gerbes d'eau et la remontée sur ce contre-haut. Puis le tronc, pas de souci. Allez, parfait. Il file maintenant sur le Cornady Sicam. Régalez-vous, je l'espère, en tous les cas, en jaugeant, en appréciant encore une fois le génie de ces cracks chevaux et cavaliers associés pour aller sur ce cross. Voilà ce qui nous permet d'avoir bien sûr des modèles totalement différents, de la génétique aussi différente, ce qui nous permet de remercier encore une fois les propriétaires de ces cracks chevaux, mais aussi saluer le travail des éleveurs, hein, qui ont su sélectionner des souches maternelles, trouver encore une fois l'étalon approprié pour amener des chevaux donc au niveau, puisque je vous rappelle que l'objectif aussi, c'est bien sûr d'être le meilleur de la génération des 6 ans, de gagner le CIC international qui est en train de se courir, des chevaux que vous allez voir évoluer au niveau, puisque l'objectif est peut-être d'en avoir aussi certains d'entre eux que vous verrez donc courir les Jeux Olympiques Paris 2024. Allez, pour l'instant, l'enchaînement de la boussole, à savoir la combinaison numéro 10 avec ce contrebas. Donc Intermarché a été bien franchi. Et regardez l'énergie qu'il déploie, ce Moussaillon. Hop là, pour l'arche de la Société Hippique Française. Parfait. Avalez, regardez chacun des éléments de cette combinaison. Avec Eduardo Via Dufresne et Moussaillon associés sur ce parcours qu'ils sont en train d'avaler donc. Voilà, le fossé sautisse. Aucune difficulté, à mon avis, dans quelques secondes. On va les voir arriver sur le vertical de l'IFCE et ses chevaux de sport. Parfait. Et donc, maintenant, face au numéro 15, avec cet enchaînement du triple bruche de l'Association nationale de l'anglo-arabe, alors que nous allons suivre le 613.
Le 613. Allez, que vous avez donc sur le parcours, c'est d'Armagnac de Béliard. Un Hongrobet, sel français. C'est un descendant de Canturo, Holsteiner, avec une mère sel français, Palme de Moyon par Barbarian, sel français. La SEA de Béliard, dans les Hauts-de-Seine, donc, qui en est naisseur et propriétaire. De retour de Thomas Carlyle, le champion français, face donc à ce parcours de cross. Alors qu'on a Eduardo Via Dufresne qui est en train de battre des records de vitesse sur le parcours avec donc Moussaillon, voilà, qui ne fera donc qu'une bouchée de ce contrebas. Et cette petite balle, voilà, Moussaillon qui est en train donc bien d'approcher, non loin de la ligne d'arrivée avec La Fontaine qui a été bien franchie. Regardez le chronomètre, moins de 5 minutes 53. Bravo à tous les deux, l'Espagne.